Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la toute nouvelle voiture, donc la Inpointe Auto GT, donc qui coûte 1 580 000, donc c'est cette voiture voilà qui est juste ici, donc une voiture de 1969 tout d'abord, donnez quelques coups de poing, ensuite faites un peu de décharge de bottes et enfin faites péter l'Inpointe Auto GT, une grosse cylindrée, voilà donc c'est une grosse cylindrée la salle. Et donc c'est une exclue, comme vous pouvez le voir, PS5, donc ce sera disponible que sur PlayStation 5 et non pas sur PC ou sur PS4, comme certains enfin, demandent dans les commentaires à la salle, ils demandent s'il y aura des mises à jour sur PS4 ou PS5. La question c'est Non. quoi? Eh ben non. Bah non. Voilà, la réponse c'est non. Et la question c'est, est-ce que c'est ça? Bah oui, forcément c'est ça. Alors, pour modifier le véhicule, let's go. Donc gros cylindré. Alors pourquoi ils ont mis cette voiture en gros cylindré, je sais pas. La salle, mais en tout cas, on a les améliorations HSW dessus, donc c'est les toutes nouveautés. Donc, c'est ce qui permet d'avoir le véhicule amélioré et beaucoup plus rapide que la base. Mais la question, c'est est-ce que il est vraiment très rapide? Parce que déjà, regarde, on a deux trucs d'accélération et je peux te dire que c'est pas mal. Je pense qu'il est rapide. Ah ouais, parce que moi, quand je l'ai testé juste avant. 450 GT, Encore j'étais rien trop. là. Ouais, c'est vrai que. Ah, donc on a le moteur niveau 4 qui fait ça, mais le moteur HSW, what the fuck. Par contre, ça va commencer à devenir la crise là sur mon compte. Hein. Je vois plus, plus j'achète, plus. Alors, qu'est-ce que je C'est mets? vrai. Échappement avant. C'est bizarre comme ça. Je vais le mettre comme ça, je pense. Ah non, juste c'est pas mal. Bon, tu me spoil pas, mais disons que c'est Working Babies in the Stress. Alors, ensuite, on a différents capots. Ils ont pas mis de nouveautés, hein. C'est vrai. Bugcatcher triple MK2. Pourquoi pas? Éclairage, faire que des noms. On va mettre. Ça, je verrai à la fin. En tout cas, pour l'instant, ça aussi, je verrai à la fin. Alors, motif. Qu'est-ce qu'on a comme motif, la salle? T'as fini? Ouais. Déjà? Bah ouais, comme j'essaie de faire vite pour pas que tu vois mon véhicule. Ah ouais, le edit. Est-ce qu'il faut mettre un motif dessus ou pas? C'est ça la question. C'est quoi? Je vais mettre ça pour voir. Attends. Je vais aller dans les nouvelles couleurs en fait. Plaque. Plaque, on s'en fout. Alors, peinture, couleur principale. Et voilà, c'est ça que je veux voir en fait. Bah alors déjà il y a un truc, il tient super bien la route. Ah ouais? Quand tu vas à fond, hein, après quand tu vas doucement, je sais pas. Quand tu vas à fond, mais qu'est-ce qui tient abusé? Par contre, à combien de kilomètres heure on va, c'est autre chose. Je suis en train d'essayer de voir les nouvelles couleurs là, salle. En fait, si je fais ça, peut-être que. Enfin un véhicule avec lequel on peut rouler à fond en ville. Parce que les autres, ils volent. Lui, il est lourd. Attends, parce que moi je suis seulement en train de mettre. Franchement, je le trouve pas mal comme ça. On se donne rendez-vous? Bah, où tu veux. Juste devant, bah juste devant, je pense. Ouais. Non, quoique, franchement, les gars, je pense que je vais mettre ça. Ouais, là, je suis pas mal. Là, je suis pas mal. Ensuite, aileron. What the fuck, c'est quoi cet aileron là? Vas-y, on va mettre ça. Hein. Ok,
Suspension, c'est bon. Transmission, c'est bon. Wow, le turbo. Par contre, les nouveaux turbos, ils sont cheatés, hein. Bah ouais, mais je dépasse les 170. Quoi? Non, elle est pas plus rapide que les autres, la salle. Ah, je sais pas, on verra, mais pour l'instant, voilà quoi. Ça y va, hein. Alors, bon, ça forcément. Alors, ça, c'est dans les roues. C'est quoi comme roue, ça? Ça, c'est des roues de lowrider? Ouais, tu peux mettre ce que tu veux dessus, mais c'est vrai que le haut de gamme, ça va pas, quoi. Ok, alors attends, lowrider. Moi, ouais, j'aime bien ce que j'ai mis. Celle-là, j'aime bien. Ensuite, couleur des jantes, on s'en fout. Si c'est bon, noir, j'ai mis pneu. Pneu custom, ah ouais. Tu vois, des fois, juste des pneus, ça change quand même. Ouais. Vitre en noir, et voilà. Bah écoute, j'ai bientôt fini. Il manque plus qu'à mettre ça. Je pense que je vais mettre en bleu électrique comme ça. Et les néons. Comme ça aussi. Bon voilà. Voilà ma customisation. Je suis parti sur ça. Parce que franchement, ils sont très très beaux les nouveaux motifs. Bah je vais voir comment t'as mis ton véhicule toi. Ouais, bah je t'attends sur le côté comme d'hab. Sur le côté, comment ça sur le côté? Bah en dehors du LS. Alors, ça s'est passé comment? À vous de voter dans les commentaires entre moi ou la salle. Ah ouais, d'accord. Oula, c'est un arlequin ton véhicule. Bah ouais, il est beau, je Bon. trouve, moi. Bah tu testes pas? Bah si, je vais tester, mais attends, laisse-moi montrer les deux véhicules déjà. Donc la salle à droite, un nuit à gauche. Moi, franchement, je trouve mon motif, il est beau. Ouais. Parce que tu sais, de base, moi, je suis parti sur une couleur caméléon, mais en fait, ça le fait pas sur les voitures là. Eh ben, écoute, testons la vitesse, les gars. 3, 2, 1, go! Tu vas voir, la tenue de route, c'est abusé, hein. N'hésite pas à tourner à droite. Ce qui dit ça, c'est que. Non. Ça va la tenue de route, non? Bah, je t'ai dit abusé. Franchement, c'est C'est vrai que c'est. What the fuck? Pourquoi le véhicule il tourne à droite à gauche tout seul? Non mais. Il tourne à droite et à gauche tout seul. Il fait des zigzags. J'ai jamais vu pire tenue de route. Ah ouais. Sur un véhicule, j'ai jamais vu pire, je crois. Je crois que c'est impossible de faire pire. What the fuck? Moi mon véhicule il tourne tout seul à droite et à gauche. Bah oui, il tourne tout seul. Mais je vous jure que là les gars c'est pas moi qui gère mon joystick hein. Vraiment il tourne tout seul. Oh, c'est beau. Bah après, tu vois, ils ont peut-être un peu abusé de mettre la nouvelle technologie sur une grosse cylindrée, tu vois. Là, complètement, là. Hein. What the fuck? Essaye de rouler à fond juste une fois. Tu vas être choqué, hein. Attends. Il me faut une ligne droite, mais. Ok. Allez. Wow, impossible. T'as vu ça? Il tourne tout Impossible. seul? Il tourne tout seul le véhicule, les gars. Honnêtement, c'est. Ah bah t'as fait la même chose que moi, on a foncé au même endroit. Regardez, il tourne tout seul. Je vous jure, je touche pas mon joystick de gauche. Il tourne tout seul le véhicule. Regardez. Regardez, là je suis à une main. Il tourne tout seul, what the fuck? Bon bah honnêtement. Heureusement que la Karine S95 elle est gratuite quoi. Ouais, faut pas l'acheter ce véhicule, sérieusement. Ne l'achetez pas à part ceux qui sont fans de grosses cylindrées. Mais c'est un accident toutes les 30 secondes à peu près. Si t'es fan de véhicule qui part en vrille, il est parfait. Il est pas ouf du tout.
Bon bah voilà, c'était la customisation du tout nouveau véhicule, donc je vous montre. Hop, ça vous sera 1 580 000 pour cette... Ouais. Ha Ne l'achetez pas.